aujourd'hui, je vais vous montrer des tours de petits paquets. Commençons. 4 rouges, 4 noirs. D'accord? Ce que je vais faire, je vais mettre les noirs de côté et je vais garder les rouges. Nous allons simplement poser les rouges de côté, en garder une. Et avec une seule des rouges, je vais faire un effet avec les noirs. La carte rouge, je vais la mettre en deuxième position à partir du dessus du jeu. Et l'idée, c'est de refaire monter la carte sur le dessus de façon magique. Vous êtes prêts? Ne clignez pas des yeux. C'est fait. J'ai été trop vite? Ok, je recommence. Je prends une carte rouge, je la mets pas en deuxième, mais en troisième position. Ne clignez pas des yeux, je vais aller moins vite. Petite torsion, ça remonte. J'ai bien 4 cartes. 4 cartes noires si vous avez suivi. Je recommence. Troisième carte rouge, je la mets cette fois-ci en quatrième position. Ne clignez pas les yeux. Ça y est, c'est fait. Elle est remontée. J'ai bien 4 cartes en main. Pour la dernière carte, d'accord, je vous propose encore plus direct. Je vais la laisser sur le tapis. Je pose instantanément le paquet sur celle-ci. Je claque des doigts et aussitôt la carte remonte. Et nous avons bien dans ce paquet 1, 2, 3, 4 cartes noires. Merci. D'accord? Et je vais faire 2 tables. Donc je mélange et je fais 2 tables. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Voyons ce que nous avons dans ce paquet. Après un mélange, nous avons une carte rouge. Une deuxième carte rouge, une troisième et une quatrième. La quatrième, on va s'en servir comme carte chef. Donc, si nous avons bien choisi dans ce paquet, nous avons les rouges. Ici, donc, nous avons les noirs. Bien vu. Noir et noir. Et voici l'idée. Si, par exemple, j'échange la position des cartes chef. Nous avons d'un côté les cartes noires, nous avons d'un côté les cartes rouges qui sont en fait croisées, si vous me suivez bien. Mais avec la magie, nous pouvons faire ceci. Instantanément, nous avons maintenant une carte noire, une deuxième et une troisième. Bien évidemment, dans ce paquet, nous avons désormais une carte rouge, deux cartes rouges, trois cartes rouges. On continue ? Maintenant, j'échange les paquets. Et bien, même en changeant les paquets, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une carte noire, une deuxième carte noire. Pareil ici, les rouges et les rouges. Je peux continuer. Et à chaque fois, la magie opère. Je vous remercie. Désormais, nous allons faire un dernier tour de petits paquets. Nous avons donc 4 cartes rouges et 4 cartes noires. Nous sommes bien d'accord. D'un côté, les rouges et d'un côté, les noirs. Noir et rouge. Je claque des doigts et instantanément, nous avons ici désormais les noirs et ici les rouges. Je vous remercie.